La semaine qui arrive s'annonce décisive pour l'Espagne. Le gouvernement espagnol s'apprête à reprendre le contrôle de la Catalogne. La Catalogne qui, de son côté, menace de faire sécession. J'ai vraiment très peur. Je trouve cette situation compliquée. Mais l'État est beaucoup plus fort que la Catalogne. Puig demande à plusieurs possibilités, déclarer l'indépendance comme il s'y était engagé, mais ça aggraverait la situation. Il pourrait tenter de conclure un pacte avec l'État espagnol, mais ça serait difficile car le gouvernement central ne veut pas faire ça. Ce samedi, Carles Puigdemont a réagi aux annonces de Madrid qui veut mettre en œuvre l'article 155 de la Constitution. Il a demandé la tenue d'une séance plénière pour que les parlementaires décident de la réponse à apporter. Ce dimanche, le gouvernement espagnol a invité les Catalans à accepter la tutelle de Madrid. Nous ne tiendrons pas compte de leur réponse et j'espère que tout le monde fera de même. Peu importe les instructions qu'ils donneront, ils n'auront pas l'autorité légale pour le faire. La crise catalane plonge l'Espagne dans sa plus grave crise politique depuis qu'elle a retrouvé la démocratie en 1977.